Chacun a le pouvoir de réaliser ses rêves. La passion peut nous faire gravir des montagnes, relever des défis incroyables, vivre des aventures inimaginables. Je suis Lessie Créa et il y a encore 8 ans, j'étais aide médico-psychologique en unité Alzheimer. Je n'avais jamais touché la moindre aiguille. Aujourd'hui, je suis artisan d'art dans la création de robes de mariée dans ce magnifique atelier de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine. Complètement autodidacte, j'ai tout appris grâce aux livres, aux vidéos, à l'observation. Aujourd'hui, j'habille des miss qui représentent la Bretagne, la France et parfois même à l'étranger. Tout comme des futurs mariés, de la plus classique à la plus atypique, chacune peut trouver son style. Illuminer les yeux de toutes ces femmes qui me font confiance n'a pas de prix. Je n'ai qu'un but, donner vie à leurs rêves. De mettre tout mon savoir-faire, toute ma créativité, tout cet imaginaire en fait qui déborde de moi, en fait, de le mettre au service de mes mariés, plus spécifiquement les mariés plus atypiques, en fait, qui ont envie d'un univers de créatif, faire des... Voilà, c'est pour ça que j'ai énormément de mariages, des cabarets, des elfiques, des années 20. C'est de me plonger dans leur univers pour réaliser leurs rêves et les faire rêver, en fait. Un des plus beaux compliments qu'on peut me faire et qu'on continue de me faire et qui me fait toujours pleurer, c'est quand on me dit que je suis la marraine de Cendrillon et que je les ai transformées en princesses, que j'ai réalisé leurs rêves et que grâce à moi, en fait, tout est devenu magique. En tant que Miss, on est souvent vues comme des princesses. Et moi, en tant que petite princesse, j'ai la chance d'avoir une fée de la couture en tant que marraine. J'ai eu la chance de porter plusieurs robes de Lessie Créa. Et j'aime tellement son travail que je lui ai même confié la confection de ma future robe de mariée. J'ai juste besoin de réaliser les rêves, en fait, de faire rêver. Juste de voir ces bêtes, mais juste de voir des paillettes dans leurs yeux, en fait, c'est ça qui me rend heureuse, en fait.